Ah ouais, mais il est en train de venir, il va les manger tout seul. Ah bah oui, il les mange sans que je lui donne. Ah non. Beaucoup d'entre vous sont déjà au courant, mais aujourd'hui la mission c'est tame du Karcha. Enfin, au moins un Karcha, hein, ça va déjà être long je pense. Et ce Karcha, malheureusement, il va pas être n'importe où, il va être au volcan. Donc mission juste énorme, tame un Karcha au volcan. Bonjour YouTube, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mag et aujourd'hui on est parti pour le 13e épisode de mon aventure sur Fjordur. Pour commencer, je vais essayer d'utiliser un des conseils que vous m'avez mis en commentaire. Coucou Quentin, il vient de toi ce conseil. C'est donc de faire une potion. Donc franchement, je connaissais pas du tout cette astuce. J'avoue que je m'y étais pas spécialement intéressée, mais c'est vrai qu'elle est sympa. C'est faire une potion de le bouillon de cactus qui va donc nous permettre de masquer notre odeur auprès des animaux. Donc pour aller tamer un Karcha, c'est quand même mieux. Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour faire cette potion? Des amarberry, azuberry, de la méjoberry et de l'extrait de cactus. Donc l'extrait de cactus sur Fjordur, bah il faut déjà que je me rende au volcan pour aller en chercher. Donc je vais aller chercher ça tout de suite. Alors il y a un espèce de petit alpha rex qui a envie de me péter la gueule. Bon, le problème c'est que je veux bien essayer, je veux bien m'y affronter, mais j'ai pas de combi. Oui, je tapais un peu dans le vide, je suis d'accord. Allez, on va essayer. On va regarder notre oxygène pour pas mourir. Allez, 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 allez. Oh là, on tue des raies, on tue des raies. Allez, tu vas manger ta mère. Il est où comme ça, vu à la surface de l'eau, hein? On est où dans la... Voilà, l'oxygène, on est pas mal. Oh là, il y en a un autre qui est là, un mégalodon. Les mégalodons! Mais ne te sauve pas! Reviens ici tout de suite! Oxygène, c'est bon. On est bien. Il y a un dauphin. Pourquoi il veut plus me taper? Allez! Tu meurs. Allez. Bon, allez là. Oui, c'est bon, on l'a eu. On respire un peu. On retourne voir, je sais pas s'il a loot quelque chose, s'il y a un petit sac ou si c'est dans la... Non, c'est pas... Mais laissez-moi! Mince, je sais pas où il était. Alors, je vais peut-être le voir comme ça, s'il y a un petit sac. Bah, je veux le petit sac. Bon bah je crois qu'on n'aura pas le petit sac. Je sais pas si j'ai eu quelque chose sur moi. Ah bah il est là le... Attends. Oui je sais. Attends. Mais il est plus là. Il est là. Non mais... Mais... Est-ce que j'ai eu quelque chose moi? Non, j'ai rien eu. Donc il doit y avoir quelque chose dans le petit sac. Mais si je décèle là, je vais me faire goumer. Si je le finis, j'ai quelque chose. Bah non. Est-ce qu'il y a un sac? Il n'y a pas de sac. Je me serais fait arnaquer? Je me suis fait alpha arnaquer? Comment ça se passe là? Bah non. Pourquoi j'ai rien eu? J'ai rien, hein. On a rien, on a même pas de runes. Je me suis alpha arnaquer. Alors attends, on va se mettre un petit peu de... d'attaque quand même sur la bibiche là, parce que j'ai jamais donné ses points. Non mais sérieusement, alors soit j'ai pas vu le sac, mais sinon bah rip, je me suis fait alpha arnaquer. Alors non, toi tu... Non, faut me laisser. Je veux juste du cactus, je veux juste du cacotus. Oh là là là, un basilo. Alors ça, je vous avoue, un basilic, je vous avoue, je rêve dans ta main. Je n'ai jamais tame de basilic. J'ai extrêmement envie de le faire, mais il me semble qu'il faut des œufs de wyvern ou de rock drake, donc ça sera pas tout de suite. Donc du cactus, lululu, je veux du cactus. Bah c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un de méchant avant que je décèle? Parce que j'ai pas envie de décéder. Une fois que j'ai décelé. Donc allez, on se tape le petit cactus, extrait de cactus. J'ai pas vu combien il en fallait. Donc bon, bah, c'est pas grave, on casse tout. On casse tout, on prend tout le cactus qu'on peut prendre. Est-ce qu'on s'en reprendrait pas un petit peu plus du cactus? Là on est bien trop lourde. Bon allez, on va se dire qu'on en a assez du cactus. On se rentre à la maisonnée. Et donc on est prêt à aller chercher notre Karcharodon. Je me suis fait plusieurs potions du coup. J'ai fait la fameuse potion donc de cactus pour être un peu plus... passer un peu plus inaperçu au vu des dinos. Mais je me suis fait aussi une potion pour la chaleur, une potion pour la vitesse, je sais pas. Je me suis fait des trucs de guérison. Enfin voilà, on est parti à fond. Ce coup-ci, on essaye de pas y aller à l'arrache, hein, avec
C'est le couteau comme on dit, hein. Ok, donc je ne sais plus où il est. On va chercher ça. Non, toi, on se mettrait pas. Voilà, on est un peu mieux avec la respa. Oh, il est magnifique. Oh, il est trop beau, Maxou. Maxou, si tu vois ça. Oh, il est tellement beau. Alors, je suis extrêmement fan des lézards épineux, mais malheureusement, bah eux ne m'aiment pas. Parce qu'à chaque fois que j'ai voulu entamer un, c'était un enfer. Soit je le perdais. Enfin, j'avais toujours une couille. On essaiera peut-être sans ta main. Mais bon, voilà, c'est un enfer. Et mais je les trouve trop beaux. On dirait des petits popenards. Je le vois pas, hein. Je le vois pas. Je vais essayer de survoler avec un truc qui vole. Bah, c'est le principe des trucs qui volent, hein. C'est pour survoler. On va prendre l'argent à vis. Ça sera mieux pour gérer. Voilà. On va le mettre là. On va le mettre je sais pas où. On va faire comme ça. Allez, viens, mon petit pépère. On va essayer de se trouver le carcharodon tonton. Ah bah, il était juste là. Ok, 135. Avec du monde autour. On a un rex. Le galiminus. Les petits machins. Je sais pas. Je sais pas trop. J'aurais peut-être dû faire des repros. Enfin, je sais pas. Je sais pas. On va déjà se prendre. On va déjà se prendre. Ça va être une galère. Ça va être un enfer. Je vous le dis, ça va être un enfer. Je vais me prendre toutes les popos. Tac, je prends ça. Je prends ça. Je prends ça. Voilà. C'est efficace. Par quoi on commence? Parce que le problème, c'est pas tant le karcha. Hein. Le problème, ça va être tous ces petits connards là autour. Allez! Non, bah voilà! Et puis à chaque fois, je fais ça aussi comme connerie. Quand je tue les trucs pour donner au karcha, bah je les bouffe. Bah oui. Allez, sinon c'est pas drôle, hein. Donc viens ici, toi. Allez, la petite mitraillette. Voilà. Là, on est bon. On va essayer. Alors, par contre, il y a un Rex pas très loin. Traînez le corps. Allez, on y va. Oh là. Oh là, qu'il est lourd, le pépère. On n'est pas sorti de l'iceberg. Hein. C'est parti, ça va être le bordel. Je traîne le corps. C'est dur, c'est long. En plus, je crois que c'est un Karcha Paléo, non? Oui, c'est un Karcha Paléo. Donc, pourquoi pas, hein. Go, go, go. J'adore déjà les karchas, mais alors autant se faire un petit karcha un peu différent, pourquoi pas. Bon, viens. Bon, j'espère que ça se tame pareil, logiquement oui. J'espère que ça se tame pas différemment, karcha paléo. Je sais pas du tout. Par contre, j'ai un truc qui me suit là, ou je rêve. Ah non, c'est bon. Par contre, Gus, tu peux aller ailleurs que là-haut, t'es gentil. Pourquoi il part à l'autre bout du monde, là, j'arriverai pas à venir. Puis je sens bien que je vais avoir un basilic qui va me tomber sur la gueule. Hein? Non mais voilà quoi. Eh, c'est pas que, mais c'est lourd hein, le truc là. Tu serais gentil de te rapprocher. S'il te plaît. Vas-y, viens. Viens dès là. Allô? Tu viens? Oui? Non? Mais il va toujours plus loin. Mais c'est une blague. Ça commence bien, ça commence bien. J'ai même pas commencé encore, j'ai juste... C'est déjà la galère. C'est déjà la merde. T'es où? Il tourne. En fait, il m'aime pas. Ça marche tellement bien que le truc à cactus là que ça le repousse. Tu m'avais pas dit ça. Tu m'avais pas dit ça, Quentin. Non mais il va encore plus. Mais non. Viens. Alors non, je vais pas faire de piège. Enfin, peut-être que je vais craquer au bout d'un moment, mais... Ah, les karchas au piège, c'est... Je suis pas vraiment convaincu en fait. J'ai pas trouvé de piège adéquat. Donc, toujours le bordel, il bug, il machin. À plusieurs peut-être, mais tout seul. Non, mais sérieusement, comment je vais monter là-bas, moi? Comment je vais aller là-bas? Mais putain, mais qu'est-ce qu'ils ont dans cette partie, les dinos, à toujours vouloir aller dans la montagne? Toujours, tous. Le chat domé, c'était pareil. Tous ceux à qui je dois donner de la bouffe, ils se barrent dans la montagne. Comme ça, je peux pas y aller. Et bah oui, je peux pas là. Ah si, je peux. Mais ça serait bien qu'il arrête de monter, quoi. Je vais enfin arriver en haut que la potion, elle fera plus effet. Heureusement que j'en ai 11. Ça va? Vas-y, tu veux pas me sentir, gars? Regarde, je sens bon. Je sens bon le vélonazor. En plus, il avait l'air beau, ce petit vélonazor. Ah mais là, je vais pas réussir à monter, là. Si, ça monte. Allez, Ginette. Allez, pousse sur les cuisses. Ouais, c'est bien. On a réussi, c'est bien. Hop, on redescend. Ça fait... Je vais me faire
dégommer la gueule quand je vais vouloir repartir. Allez, pousse sur les cuisses, là. Allez, on monte. Une, deux, allez, allez, voilà. On est bien. Ah, il sent. Il sent. Il sent le manger. Je sais jamais s'il faut lui lâcher et se barrer, s'il faut attendre qu'il vienne le prendre et se barrer. Je sais pas. Je sais pas, on verra bien. C'est quoi? Salut? T'es buggy? Mais viens, j'ai à manger là! Miam miam miam! Voilà! Oui? Allez! Mais il est complètement con! Mais viens ici! Mais oui, va! Mais genre, t'aimes pas bouffer du vélonazor, c'est ça? C'est pas assez bon? Oh merde! Oups! C'est pas prévu ça! Attends, peut-être. Non, il vient pas le manger. Mais putain! Mais il se rebarre! Mais. Viens, s'il te plaît! Mange mon beau vélonazor là! Il aurait peut-être fallu que je lui lâche. Après, c'est peut-être parce qu'il était dans la colline, il était bugué. Je sais pas, mais j'ai vraiment pas de chance. Mais vraiment pas de chance. Viens, s'il te plaît. Je trouve qu'il a une vraiment bonne gueule. Il faudra qu'on tame un normal pour essayer de le comparer. Mais putain, j'aime bien avec le bleu là sur la tête. Ah! Ah! J'ai de la bonne cam, hein. Ça sent bon. Miam, miam, miam. Hein. Allez, allez. Allez, tu viens. Tu me manges? Oui, Allez, mais cours-toi maintenant. Je sais pas. Je sais pas. Ah, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, je sais pas, 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 je sais pas. Non, c'est bon, ça va, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Mais par contre, faut pas trop que je traîne parce que sinon ça va retomber. Faut vite que j'aille tuer un truc. Est-ce qu'on irait pas se tuer le Rex? Mais j'ai peur de pas réussir à le promener, le Rex, là-bas. Est-ce qu'on se tuerait pas ça? Je sais pas ce qui... Alors, ça, je sais pas aussi. Est-ce que ça marche mieux, je pense, la vie du dino? Donc... Mais non! Mais espèce de fin d'us, va! Mais putain! Mais cette blague! Donc je disais, avant que l'autre me bouffe mon truc, est-ce qu'il marche mieux, c'est la vie du dino? Ou est-ce que c'est l'espèce? Non, sinon on veut pas. Il y avait pas un Rex là? Il y avait un Rex! Bon, on va reprendre un vélonazor. Ah bah le Rex il est là-bas. Pour l'instant, on va reprendre lui. Tu le manges pas. C'est reparti avec le vélonazor. Par contre, on va falloir qu'on reprenne des popos avant d'être arrivé là-bas. Hein. Va être long le chemin jusque là-bas. Très long. Très très long. J'espère juste qu'il va pas retomber à zéro. Ça, c'est pas dit ça. Hein. Il m'attend avec impatience. Regardez ça. Mais non! Mais non, mais pas lui là! Mais non! Mais. Mais. Salut! Ah, eh ben, c'est toi qu'on. Est-ce que je peux te traîner, toi? Je suis même pas sûre. Si. Eh ben c'est toi qu'on va emmener bouffer. Mais... Mmh... Oh je crois... Non ça va c'est un stego là-bas. Ouah mais... Cette blague. Et je suis toute nue maintenant. Non putain. Mais non. Pourtant normalement il est pas censé me voir hein. Il est pas censé m'aggro lui. Mais je crois qu'il a juste bouffé le... ce que je promenais je pense. Je sais pas. Je sais pas s'il m'a tapé ou s'il a bouffé. Mais je pense pas que ça va lui apporter beaucoup de bouffe. Hey. Allô. Coucou. Putain, il est retombé à zéro en fait. Fais chier, fais chier. Ah, mange. Ouais, je sais, c'est pas la folie. Je crois qu'il est retombé. Oh, je vais aller voir, il y a un stego là-bas, mais je sais pas comment lui emmener. Un beau stego là, mais. Oh oh. Ça, c'était pas prévu ça. Oh là. Merde, Ah, je prends feu. Je brûle. Bah du coup, j'ai plus rien en fait. Oh. Okay. Allez, viens. C'est beau, mais viens. Non, mais mange pas ça. C'est un quoi? Un Evo... Un Evo Tyrannus? Comment ça? C'est un Rex, non? Ouais, mais... Il veut pas me suivre. Viens, suis-moi. Viens, suis-moi, je vais te tuer près de l'autre là-bas. Mais il me suit pas. Viens. Viens, je te dis. Bon bah, venez.
Il y en a aucun qui me suit. C'est une blague. Après, je sais même pas si j'arriverai le promener, ceci dit. Est-ce que j'arrive? Non! Mais ne, non! 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 Oh, faut vraiment que je désactive le fait qu'ils me finissent les corps, putain! Non, mais si à chaque fois je fais ça, on n'est pas rendu, quoi. Enfin. Alors, j'essaye d'attirer le petit lézard par là-bas. Comme ça, on sera plus près. Après, ça m'en fera que un, quoi. Eh bien, Choubi! Allez, Choubinou! Ah, là, on n'est pas trop loin. Non! Non! Wouah! Putain! Non, mais c'est. Mais. Oh! Un basilic! 25. Ok, bon, bah, on va tirer une autre bête. J'en ai marre. J'en ai marre. Je me retrouve à essayer avec un Dodi. C'est pas que, mais. Pas bien sûr. C'est pas bien sûr de la grosse efficacité hein, que va donner le Dodi. Oh, mais où c'est que je peux aller chercher du dino là? Ils sont tous à Bubblewet. Bah, marche-moi dessus! Genre, t'aimes pas les Doed. Là, miam 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 miam. Ah, ça marche très bien la soupe, hein. Il veut pas le Doed. Il ne veut pas du Doed. Bah, je crois qu'il veut des carnivores. Oh, bah. Est-ce que. Ah! Attends. Je pense pas que j'arrive le. Non! Non, mais. Vas-y, il me saoule, lui! Il me saoule! Tu me saoules! Oh! Il veut vraiment pas, lui? Là, lui, là. Non? Ouais, mais ça, c'est moi qui l'avais tué tout à l'heure, ça, c'est de la triche! J'arrivais juste pas à le sortir des cailloux. Là, 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 miam, 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 Doed, là! Bon, il va par là-bas, au moins, il y a plus de dinos là-bas. Ah! Ça, c'est pas prévu. Bah c'est pas grave, on va l'emmener ici, il y a plein de dinos. On va essayer de perdre l'aggro. Bon c'est bien, il se battait là-bas, on va le laisser se battre. Nous on va péter ça. Non. Ah non. On va péter un ankylo. Bah non, il est là. On va rien péter du tout. Là il y a quoi là? Il y a du peuple. Ah ouais, mais il est en train de venir, il va les manger tout seul. Ah bah oui, il les mange sans que je lui donne. Non! Ah oh, putain! Oh là là! Ah, puis il s'est fait pote avec un allosaure maintenant! Mais puis. On se barre! Est-ce que je peux lui donner du shadow? Au pire, je fais des bébés shadow, quoi! Est-ce que je peux traîner ça ou c'est trop gros? C'est beaucoup trop gros, je veux pas traîner ça. Ok. Ok. Par contre, lui là-bas, il est chose de night hein, là-bas. Hein. Je peux pas le traîner non plus, lui. Il est trop lourd. Oh. Allez, tiens. Oh, mais j'en ai marre de ce dino. Vas-y, oui, sniff. Je vais manger ma carcasse. Je peux piquer sa carcasse, salut. Je peux pas. Le problème, c'est que mon shadow, il est trop près, il faudrait vraiment que je le range. Mais on n'avance pas des masses hein, avec tout ça. Hein. Allez, cours, 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 j'ai tellement peur. Alors, nous avons... Tiens, ça ici. Ah mais il part trop loin là, viens. Viens, 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 aggro-moi parce que l'autre il part. Pourquoi j'arrive pas à le porter? Genre on peut pas traîner les arcs paléo. Ah non. On peut pas. Ok, bah super. Si la moitié des dinos qu'il y a sur la map on peut pas les traîner, bon. Hein enfin, des trucs qui auraient repop là par des doheads. Je croyais qu'il était mort. Il m'a menti. Ah bah je l'ai fini du coup.
Ok, bon, on va faire, on va tester autre chose parce que là, il y en a marre. Ok, donc nouveau plan. On va tester. J'ai fait une petite repro de Tilacoléo. Donc mes Tilacoléo assez gros level. J'ai lancé une petite repro avec les mutas. On va essayer ça. On va le tuer. On va voir ce que ça donne. On en est où? On va essayer de pas le finir. Ok. Voilà. Ça c'est fait. On range Pépère. Voilà. On n'a pas besoin de toi. Et on va essayer d'y aller avec lui. Oh, putain, ça va être long. Ça va être long. Donc on va voir si ça marche. Déjà j'arrive à le porter. J'ai essayé avec une portée de Shadow. Donc j'ai fait les deux. Shadow, Tila. Le Shadow, j'arrive pas à le promener. Donc forcément, bon bah je me suis rabattue sur le Tilacoléo. Après, en couple reproducteur, les Terry, j'ai, mais je pense pas que j'arriverai à les promener. J'ai pas grand chose d'autre. Je vois qu'il y a un petit peu du pop là-bas, ça me fait un peu peur. Parce que c'est un peu repop. Et je crois qu'il y a un basilic. Oui, il y a un basilic. Vraiment pas très loin. Ça, c'est quoi son level? Tiens, oui, non. C'est basilic que je voulais. Bon, on va essayer. On va se dire qu'il est là-bas, c'est bien, c'est une bonne chose. Viens, 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 viens là! Père Charodon, t'es mort, viens là. Regarde, 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 j'ai un bon à manger. Miam, 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 miam. J'ai du petit chat. J'ai du petit chat à manger. Tiens, regarde, je m'approche. Tu manges le petit chat? Oh, t'es bon le petit chat. Je sais pas. Ok. Ça nous donne une idée. Bon, faudrait pas trop que je tarde à sortir les autres. Non, ne t'en prends pas. Oh là là. Bon. Bah oui, mais en même temps, si à chaque fois il va aller taper les autres. Ah, puis il y a deux basiliques. Oh. Oh là 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 là. Oh. Mais que voulez-vous que je fasse, quoi? Alors, je pensais galérer, hein. Je. Voilà, ça c'était. C'était conclu, ça c'était sûr. Mais autant? Non, en fait. Et j'ai pas fini encore, hein. Moi qui me suis dit, oh, ça va être une petite vidéo sympa. Ouais, ouais, non, non, elle va durer 3 heures la vidéo. Tu viens, s'il te plaît? Peuplé! Ah, miam, miam. Voilà, viens. Non mais, il me snob! Alors, est-ce que c'est pas quand il est enragé? Si? Non? Oui? Qu'est-ce que tu fais? Aïe! Elle m'a fait mal! Du coup, est-ce qu'il va m'aggro, vu qu'il m'a fait mal? Pas de musique, je suppose que non. Un petit chat, là! Oh, le pauvre Tilacoléo! Oh mon dieu, cette vision d'horreur! C'est un enfer, ce pauvre petit chat! Non mais il se fout de ma gueule. Je vais finir par l'enfermer dans un piège. Je vais clairement l'enfermer. Hein. Je vais clairement le piéger. Hein. Il m'emmerde. Je vous jure, il m'emmerde. Et oui, c'est ici que se termine cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Donc si tu veux voir la suite, il te reste plus qu'à attendre patiemment. Promis, je vais essayer d'aller vite. En attendant, abonne-toi et active la cloche.